Yo tout le monde, c'est Radiak, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Insurgency après presque un mois d'absence, je crois, pour faire une vidéo. Je vais vous présenter un petit peu le jeu. Je vais surtout parler un petit peu, faire un petit peu de gameplay. Déjà, je voulais parler en fait du fait que j'ai été absent pendant un mois. C'est tout simplement parce que mon micro a dû être renvoyé au SAV. J'avais un problème avec l'oreillette gauche et donc je l'ai renvoyé et ils ont mis un petit bout de temps à me le renvoyer quand même. Ils ont mis 3 semaines tout ça pour me dire. Finalement, on peut pas vous rendre votre casque, donc voilà, j'ai recommandé sur un autre site. Et puis donc voilà, je viens de le récupérer. Je vous fais une vidéo, je prépare un vidéo test du jeu sur lequel je suis actuellement, Insurgency, qui est franchement excellent, hyper chaud mais excellent. Là, je suis côté terroriste. Je me fais tirer dessus, je sais pas d'où, et si je prends une balle, je meurs. C'est ça, c'est hyper compliqué comme jeu. Allez, on va essayer de jouer. En tout cas, je prépare un vidéo test sur ce jeu parce que ça m'a beaucoup plu. C'est un indépendant qui coûte pas très cher, je crois, donc 14 si je me trompe pas. Mais je l'ai trouvé vraiment excellent comme jeu. Je connaissais déjà le mode. Je crois que beaucoup de Français connaissaient déjà le mode. Putain, je crois que j'ai vu un mec. Allez, hop, hop, hop. Non, j'ai pas eu. Tant pis. Non. On va rester sur B. Parce que je sais que là, il faut. En fait, pour gagner, il faudrait juste qu'on capture A. Ou alors qu'on tue tout l'ennemi. Toute l'équipe ennemie. Sans savoir, à savoir que. Pour faire respawn nos alliés, il faut capturer un point. Voilà. J'ai tué le dernier. Allez, Zou. Mais j'ai fait de kill. 1-0. Ouais. Mieux que d'habitude. Non, cette map-là, je la maîtrise pas trop. Il y a 7 maps hein, au total. Mais Pix, c'est vraiment pas ma préférée. Hein. Déjà, elle est très grande. Carrément en open. Et je la trouve en plus poche. Je peux pas la saquer cette map. On voit pas très loin. D'ici, on peut même pas voir le point Bravo. Je commence comme ça, et puis je prendrai une autre classe sûrement. Je crois que je suis. Ah, je suis celui qui donne les ordres, je crois. C'est ça. Je donne les ordres. Il y a un petit menu déroulant. Un peu comme dans beaucoup de jeux maintenant, mais c'est toujours plaisant d'avoir ça. Alors, on va vite capturer le point, bravo. Il est chaud à récupérer parce que tout le monde se jette dessus. Faire gaffe aux snipers. Mais il est vraiment très sympa comme jeu. Je me méfie quand même parce que j'ai pas envie qu'il m'arrive sur la gueule. Ce qui ne saurait tarder, je suppose. Je sais plus en quel mode de jeu je suis. Je suis voilà en firefight. Firefight en Tactical Ops, ce que ouais, pour le mode de jeu c'est regroupé en deux catégories. Les Tactical Ops ça ressemble. C'est carrément différent du mode, alors que pour ce qui ressemble un peu au mode c'est Sustained Combat. Avec des waves qui marchent par temps. Tous les temps de temps on a des waves, alors que là c'est vraiment quand on capture les objectifs. Oh putain, merde. J'ai tiré sur un allié, excusez-moi monsieur, j'ai pas fait exprès. Makarov. J'adore vraiment le son des armes sur ce jeu. Il a... C'est, on va dire, bien fait. Un mec sans trop en faire. On va essayer de trouver le mec. Non, il va pas se montrer. Est-ce qu'on tente d'aller déloger? Allez, je suis un fou, moi je suis comme ça! Allez, la soeur! Je suis carrément un taré. Je ferais mieux de faire gaffe parce que là je prends une balle de sniper, je suis dans la merde. Il est où?
Je vais te trouver, je vais te trouver. Au couteau! Au couteau! Ninja! Allez hop, je prends son sniper. Ouais! Ah, c'est moi en plus, un insurgent. Ouais, c'est moi. Voilà, en fait, tout ça parce que j'ai fait un couteau, un kilo cut. Mon premier kilo cut. On en est à 3-1, on a gagné, on a gagné. On va changer de mode de jeu et de map aussi. En espérant tomber sur quelque chose de bien. Allez. Je vais changer en plus de classe comme ça. Allez, allez. On est sûr. Croise les doigts. Le serveur change de niveau. Il est sympa comme jeu. Les musiques, pareil, j'adore. J'adore, c'était déjà le cas sur le mode, mais alors là. Excellente. Excellente les musiques. Allez, on est surtout sur. Comment s'appelle cette map? Ministry, voilà. On va se mettre en bomber. Parce que là, il faut exploser des objectifs. Non. La veste, l'armure. On va se mettre au TOZ. Avec un petit Makarov et pouf! Appli. Allez, voilà. On va essayer comme ça. Hein. Il y a trois objectifs à faire. Enfin, trois objectifs. Dont deux à faire péter. Mais on sait pas où ils sont. On va commencer par. Allez, on passe par en bas. On est des fous. Rush! Rush, rush! Aïe! Je suis vraiment mauvais là, c'est sur ce. Bon, je pensais l'avoir, tant pis. Faudrait que mes alliés fassent péter un objectif et peut-être changer d'arme quand même, parce que là c'est pas terrible. Ouais, je vais prendre l'AK. L'AK et puis. J'abandonne le Makarov. Et un forward grip. On va faire comme ça. Moi, il a un silencieux. Ouais, il a un silencieux. Ouais, je mets quasiment jamais de silencieux sur l'arme parce que ça coûte hyper cher. Je crois que c'est 4. Ah, mais vous avez vu quand même, il y a pas mal de choses à personnaliser, hein. Les viseurs, suppresseurs, un petit truc genre flashlight ou laser. C'est vraiment super plaisant. Les balles aussi qui peuvent être changées pour faire plus ou moins de dégâts sur telle ou telle surface. Aïe! Oh putain! Il était bien planqué celui-là! C'est pas possible, je vais rien faire sur cette map. C'est comme ça du coup avec cette arme. Je vais virer l'armure. Hop! Ah ouais merde, je peux pas encore. Hein. Ah, fait chier. Bon. Je vais prendre au moins un viseur comme ça. Avec un sniper, c'est le minimum. Il l'a vu. À gauche, non? Il y en a un, je crois. Non, tant pour moi. Ah, ils sont tous au rez-de-chaussée. J'espère que voilà, à droite. J'espère que c'est là. Non, c'est pas là. Bon, faut qu'il faut détruire C, B. Il reste plus que B à détruire. Là, on en est sûr. Et il sort comme un fou. Ah, c'était obligé ça. C'était obligé. Ils sont plus que deux. Ah ouais.
Apollon et... Ah non, il était tout seul. Voilà. Bon, ils nous ont détruits, ils nous ont tués. Aïe aïe aïe. Bon, on va essayer de faire le maximum. C'est drôle, il n'y a personne qui a pris la glace bomber. Pourtant, elle est bien utile pour détruire les caches. On va aller au souterrain. On va tenter d'aller au souterrain. Parce que y aller après c'est suicidaire. Une fois que l'ennemi est posé et tout. Et là je pense que ça devrait le faire quand même. On croise les doigts. Allez, c'est parti. Allez, montre-toi. I'm moving to Alpha. Ah putain, merde, j'ai loupé quoi. Pas possible ça. Allez. On se ressaisit. Ah, on va se montrer. Je crois que on peut arriver depuis l'ascenseur là. Je suis pas certain, mais je crois qu'on peut sauter, ouais, un truc comme ça. Et l'équipe elle est où? Elle est déjà là-bas. Ah ouais, ok. Et en plus on a pas de chance, c'est encore B et C. Ah putain, il m'a eu. C'est pas ma map, hein. C'est franchement pas ma map. Hein. J'essaierai de passer mid sinon. Ouais, voilà, on peut passer bien effectivement par l'ascenseur. Franchement chaud comme jeu. Vous pouvez le voir. Pas de réflexe. Pas de réflexe du tout. Ah, ça c'est bien. Ils sont plus que deux, je crois. Bien joué. Bah, ça va pas suffire. Ah, puis là il tire complètement à côté. Allez, 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 allez. Contente par la droite, il contente par la droite. Très très chaud cette map dans ce jeu, mode de jeu là. Allez, on va continuer de toute façon. Je pense qu'on se quittera à la fin de cette map. En tout cas, c'est vraiment un jeu que j'adore, que je vous conseille. Il est pas très très cher. Moi aussi je peux le faire. Je suis tapé de bon délire, disons. J'ai one supply en plus. Abandonner ça, je peux pas prendre. Mais putain, je peux vraiment pas quoi. La merde. Je pense que je vais plutôt prendre l'AK. Tac, tac. Et pouf, allez, c'est parti. On va comme ça. Parce que là, le sniper, c'est pas trop mon truc. Hein. Vous avez pu le voir. Je suis une boost en sniper.
Hop, voilà, ça c'est fait. Bon ça, il reste plus qu'un point à trouver. Ah putain. Oh, je vais me défoncer et là du coup je suis obligé d'attendre. Je peux rien faire. Pour changer. Ah, il était chaud là. C'était chaud comment il était planqué. Ils se font qu'un radier, je crois que c'est par derrière, non? Oh putain, ah non, c'était par là. Ok. Ah, non. Bon, je vais demander l'excuse d'un mec. Call vote. Kick. I de la FK. Bah, il revient enfin, putain. Allez, dépêche-toi, on a besoin de toi, je crois. Ok. Alors faut savoir que les points, ils le savent, hein, les ennemis, que c'est ça qu'ils doivent couvrir. Hein. Ça serait trop simple sinon. Allez, essayez de grimper. Oh la vache, ils étaient trois. Oh, ce qu'il a fait. J'ai bien cru qu'il arriverait pas à avoir la sécurité. Ça aurait été quand même honteux, je crois. Ah dommage, il l'avait vu. Je pense qu'il est en haut. Ouais. Ah dommage. Plus l'effet de surprise. Ah c'est dommage. Ah il nous fout du 3-0. Il nous fout du 3-0 et c'est la fin de la vidéo. Du coup je vais vous quitter là-dessus. Je ferai rapidement le vidéo test. Hein. Il va dire que j'ai déjà bien préparé ça. J'ai fait la vidéo encore. J'ai déjà fait la vidéo. Il faut encore que j'enregistre la voix. Et puis je vous donne le vidéo test, je vous mets ça sur internet. En tout cas, voilà, je suis content d'avoir retrouvé mon micro, de pouvoir refaire des vidéos, bien sûr, sur divers jeux. Et du coup, bah, je vous retrouve rapidement pour d'autres vidéos, gameplay, etc. Je prépare toujours mes gameplays, hein, bien sûr, de BF4. J'ai enregistré du moins sur China Rising. Second Assaut devrait pas tarder à arriver, donc forcément, je ferai un vidéo test dessus. Et puis, j'espère pouvoir faire rapidement, disons, des séances de gameplay sur les maps de base de Battlefield 4 pour vous les présenter et ce que je compte faire en tout cas c'est de les faire dans différents modes, c'est-à-dire que si une map je la trouve plus adaptée en domination non pas en domination mais disons en ruée, je la ferai en ruée. Si je la trouve plus adaptée en conquête, Jaffra en conquête, et ainsi de suite, hein, je veux dire. La map sera présentée selon le mode de jeu qui je trouve lui convient le mieux, voilà. Donc j'arrête cette vidéo ici, et je vous retrouve rapidement pour d'autres vidéo tests, etc. Allez, en attendant, jouez bien aux jeux vidéo, salut à tous et à la prochaine.